Hello les gens, ici c'est Shadowa, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode sur Minecraft, sur la magnifique map Witchcraft and Wizardry, puisqu'on est allé voir sur internet et ça se dit Wizardry, pas Wizardry, tant pis, dry c'est quand tu es mouillé, mais non c'est quand tu es sec je crois, mais c'est pas grave. Et je suis en compagnie de mon cher ami Mictor. Bonsoir les petits sorciers, les petits moldus et tout le reste. Écoutez, on se retrouve donc pour la suite de nos aventures dans le monde merveilleux et magique. Je veux dire d'Harry Potter, mais en fait des sorciers, tout Les simplement. sorciers, ouais. Harry Potter est là, mais bon, est-ce que c'est vraiment lui la vedette? Je ne pense pas, c'est nous les vedettes aujourd'hui, donc on s'en bat les Harry couilles. Potter est là. Ça va Ça faire fait mal, mal, ça nan, va nan, cogner connaît la la vague. bagarre. Wingardium Terrible. Et Leviosa. aujourd'hui, on se retrouve pour mettre un peu d'huile sur les roues du wagon. Les wagons. C'est vrai qu'on était descendu et qu'on n'a pas accès, je On n'a crois, pas au truc accès parce là. qu'il faut qu'on puisse lancer un sort à distance pour activer le wagonnet. Le Sinon, le wagonnet. wagonnet n'est pas. Eh ben écoute, je te propose de venir. On Allez. va quitter Ah. le. Ah, tu t'es fait mal. On va quitter du Oh, c'est coup pas grave. le chemin de traverse pour aller du coup. Aller à Poudlard, donc aller à la plateforme 9 3 quarts. Mais juste avant, on voulait vous montrer parce que. On s'est rendu compte qu'ici il y avait l'allée des embrumes. Alors il y avait un panneau pour montrer que c'était l'allée des embrumes, mais j'ai cliqué dessus, il est disparu. Ne faites pas attention. C'est ça. On s'est dit, ouais, il est beau le pote. Et Ah. pouf, il a disparu. C'est comme Mais les plantes, effectivement, ils ont voilà. quand même Ils se sont fait fait chier à enfin, faire dire le. l'effort, mais ouais, ils se sont fait C'est chier à ça. faire le. Bon, juste que les gens n'ont pas l'air d'être si malfaisants que ça ici. C'est vraiment l'ambiance noire, dark et tout ça. Bon, la rigueur, lui, il fait un peu flipper, mais encore, ça va quoi. Mais tu vois, et c'est comme dans le film, genre, quand tu lui parles, il fait tu ne devrais pas être ici, tu devrais Alors, partir. lui, il fait flipper, mais non, Non, il est mais, trop, il a l'air juste, trop non, mais sympa. il est trop stylé, mais genre, c'est peut-être parce qu'il est tout en noir et tout, et il a une barbe, Oh. ça fait peur, lol. Ouais, mais les sourcils sont pas assez froncés. Moi, je Peut-être, jauge les gens par rapport à leur ouais. fronçage de sourcils. C'est vrai. Et regardez, il y a surtout cette incroyable, et forcément, les gens ici, forcément, sont de Serpentard, hein, sinon, ça ne serait pas. Hein. Ouais, mais ça, c'est trop N'est-ce pas? cliché. Et regardez, il y a cette incroyable boutique là, avec ce squelette géant de dinosaure, cette Ouais, j'avoue. armure, ces masques de mange-mort aussi. Et ici, il y a un mec qui vend des crânes, des masques de mange-mort et tout ça. Donc si on veut être un mange-mort, on a juste à prendre ça et hop, on est un mange-mort. Et Est-ce voilà. que la boutique s'appelle Mange tes morts, le Joe? Peut-être, mange le Joe de ses morts là, et voilà. Et il y a un coffre Bon. au-dessus, Ouais, on a je déjà crois vidé apparemment. qu'on a vidé, désolé. Oh. Oui, J'avais parce certaines qu'après, vidéos à faire. justement, après le tournage de l'épisode, encore une fois, ces épisodes sont tournés en live les Oui, mercredis soirs à partir de 21h. c'est Et vrai, donc, j'ai oublié de le dire. généralement, après les épisodes, on continue un petit peu à explorer l'univers, en fait, de manière générale. C'est ça. Et c'est vraiment incroyable parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout faire dans les épisodes. Donc, on approfondit un petit peu en live. Mais en tout cas, dans les épisodes, vous avez le principal, je dirais, de l'aventure. Exactement, parce qu'après c'est pas forcément hyper important. Mais il y a même des mange-morts ici. Ah, les méchants. Mais comme ça, c'est Ouais, genre. comme ça, juste comme ça, les changements. Hé! Ils ont des masques, ils se sont dit, ah, bonjour, je veux Hey sortir Est-ce mon que tu veux masque, m'en mon faire tes morts? Voilà, c'est tout. Et là, il y a la fameuse boutique. Souvenez-vous, il y a la fameuse boutique dans Harry Potter. Dans Harry Potter, où il se trompe et il dit chemin de travers et il sort ici. Il sort ici de cette cheminée-là, avec la fameuse main, vous savez que quand il essaye de la Où tenir, et ça? paf, elle referme la main. Bah en fait, la fameuse main en Non, question, la cheminée, je l'ai pas vue. bah elle a été allumée en fait, la cheminée. Ah oui, par... Oh, ok, ouais, Et en fait, effectivement. ici, il y avait la fameuse main qu'il serre et qui se referme sur lui, mais cette personne nous l'a donnée, et on doit aller la livrer dans la salle Ouais. commune de Serpentard. Donc voilà, on devra aller dans la Comme par salle commune de hasard, ça Serpentard. pouvait pas être Poufsouffle ou Serdaigle, là, C'est c'est forcément des vraiment méchants, et c'est. Charpentard. Hein. Barrons-nous d'ici, arrêtons nos conneries là. De toute façon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Dans le film, à un moment, il y retourne, non? Non, bah, je pense que. Oui, non, mais on y retournera l'année prochaine quand on devra acheter à nouveau nos affaires, tu vois. Ah, Non, mais de toute un façon. pouf souffle! Des poufs souffles, il y en a tellement peu! De toute Bonjour, façon, les gars. j'ai envie de te dire, Oh. moi je reviens directement ici dès qu'on a 4 000 $, je veux m'acheter l'éclair de feu. Moi je veux le super balai, hein. Ouais, c'est ça ou rien, hein, mon Ouais, gars. carrément, vas-y, on se fixe ça comme objectif. Bah les couilles, je veux acheter le super balai.
Bon, après, si ça se trouve, le balai, ça occupe vraiment peu de place et tu peux peut-être t'acheter des sorts ou quoi, tu vois. Non, mais si ça se trouve, en fait, le balai, c'est juste un objet décoratif, tu peux pas voler dessus, tu vois, et c'est de la merde. Ce serait dommage. C'est surtout ça, c'est ça qui me fait un peu peur, tu vois. Mais sachez que, genre, si t'as de l'argent, tu peux acheter directement les habits, genre, de Norbert Dragono, tu vois, par exemple. Donc, ah oui, c'est vrai, mais bon. Allez. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça au début de l'épisode, parce que le temps que ça s'ouvre, on va voir pour un petit moment. écoute, je te propose d'aller à King's Cross. L'avantage, c'est que, visiblement, c'est genre à deux pas d'ici, c'est genre de l'autre côté. Ah oui, les pigeons qui s'envolent, c'est magnifique. Ouais, ah, les vélos. On peut pas prendre un vélo, là. Mais non, j'aurais trop voulu qu'on prenne un vélo et tout, mais... Oh, est-ce qu'on peut aller au ministère de la magie, genre, en prenant la truc? Ah non. Pas rentrer dedans. Mais n'empêche qu'il y a encore des PNJ ici, tu vois. Genre, ah ouais, cool. Non, mais c'est clair. Par c'est contre, habitué. Ouais, la map, serait cool que ça charge en vrai. C'est un peu ça, ouais. Bah après, c'est parce que voilà, je rappelle, on utilise un serveur qui est un hébergement de serveur gratos, parce qu'on est que deux, donc il n'y a pas besoin d'avoir un truc et tout. Et comme ça, ouais, ça tourne ça. Pas sur mon PC, et du coup, il n'y a pas de problème de comme quoi ça lag et tout. Même si j'aurais peut-être dû essayer en vrai, mais bon, il paraît que c'est quand même assez, assez chaud. Donc voilà. Parce que la map est quand même assez grosse, notamment celle de Poudlard, hein, quoi, voilà. Mais déjà, la map de Londres, ça a l'air déjà d'être colossal. Alors, ils me disent de passer par là, mais est-ce que c'est bien là? Parce que là, s'ils me disent de traverser de l'autre côté, frère, je peux pas ouvrir la porte, donc je suis baisé, je vais devoir faire le tour. Eh bien, merci d'avoir suivi ce let's play assez court, il s'avère, oui. Mais en tout cas, un vrai plaisir. Putain, c'est fermé, il peut pas passer. Bon, putain, je sais pas par où on y va. Il y a une map ou quelque chose? Parce que moi, je t'avoue que je me promène. Non, il y a pas de map, c'est ça le problème. Il y a pas de map. L'utilité du détail. Là, je suis parti tout droit. Ah, j'ai découvert Big Ben. Ouais, j'ai découvert Big Ben, mec. En fait, on était au Parlement. Il y a un coffre, un bruit de coffre, mais qui n'est pas un coffre. Incroyable. Attends, mais je suis où, là? Ah, Big Ben, elle était au-dessus. Ah, putain, Big Ben était au-dessus de moi. Ah, ouais, d'accord, donc on est au Parlement, là. Mais du coup, King's Cross... Putain, mais pour les gens qui connaissent pas Londres, au secours, King's Cross. J'ai trouvé un panneau avec les différentes directions et en effet, il y a marqué King's Cross juste ici. Ah, lui, toi tu veux me parler, je suis sûr. Mais même pas, mais tu me dégoûtes. Discovered Big Ben, ok, donc oui, je suis. Oui, c'est bien, c'est bon, tu vas y arriver, frère, tu vas y arriver. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour, comment on te voit? Tout va bien. Allez, let's go. Quelle rencontre fortuite, n'est-ce pas? Allons à King's Cross, là, en prenant ce chemin-là bien précisément. Da, da, da. King's Cross. Le train à destination de Poudlard. Va partir, ok, 9 3/4. Vous avez découvert King's Cross. Alors par contre, j'espère qu'il y a l'effet, les gars, qu'on va pas juste rentrer dans le bousin, hein, parce que là, il y a un train. Ouais, alors ouais. Entre 9 et 10. Pourquoi le monsieur il nous gêne? Bonjour, j'aimerais passer pour me rendre à Poudlard. Bon, c'est pas ici. Eh, je me frotte le nez là à votre mur. Est-ce que c'est là, madame? Est-ce que c'est ici? Si ça se trouve, c'est un jeu pour te rappeler la dure réalité. Genre, mais mec, y'a jamais eu de. J'avoue. Bonjour, où est la plateforme 9 3 quarts? 9 3 quarts, mais tu te fous de ma gueule, ça n'existe pas! Comme dans le film, MDR. Ah, c'est pas sympa la SNCF. Ah, mais il y a toute la famille. Il veut parler. Mais il veut parler. Il y a toute la famille Weasley, wesh. Regarde. Attends. Fred, George, Ginny. Oh, mais Ron. Putain, Ron, t'as pris cher, frère. On dirait que t'es sous en fait, mec. Ah, ouais, j'avoue. Franchement, oh, les yeux. Ce serait bien que tu dormes. Printemps, tu vois, il a tous les arbres, là. Les comment on appelle ça? Le pollen dans les yeux. Ah, non, mais clairement. Oh là là, Ginny, tu vas te taper Harry Potter à la fin, vas-y, courage. Abandonne pas, sœurette. Bon, bah écoute, je te propose d'y aller. Attends, mais genre, on a juste... On fonce, je pense, et ça passe. Allez, rendez-vous de l'autre côté, lol. Aïe. Oh, ça a marché. Oh, putain, c'est incroyable. Quelle transition, putain, même dans Ark, on a dû faire des effets spéciaux nous-mêmes, là, ça a marché tout seul, c'est fou. Waouh. Salut les serres d'aigle, ça va? Toi, t'as des lunettes. Désolé. Et Vas-y, moi je veux des lunettes comme ça. Tu là, vois. Mais en vrai, attends, par contre, alors je suis d'accord, cohérence, machin, mais qu'est-ce qu'il y a un télescope comme ça qui traîne sur un truc, je le prends. Mais c'est pour l'habillage, tu sais.
Un serpentard et un Gryffondor qui parlent. Ça, c'est l'avenir, tu vois. Un serpentard et un Gryffondor qui discutent. Est-ce que je peux descendre sur les rails? Oh, oh, tu peux mourir, en effet. Ça se bat ici, les poufs. Non, vous ne passerez pas. Ah, qu'est-ce que t'es en train de faire comme connerie? Je suis devant, en fait. Je suis sur le train. Ouais, je vois ça, ouais. Il y a des gens qui sont en mode, ah non, il recommence. On doit rentrer dedans. J'avais entendu parler de lui. On doit pas faire n'importe quoi. Et bim. Allez, c'est parti. Oh, c'est regarde. Nous qui conduisons. C'est nous qu'on pilote. Chouchou. Chouchou, motherfucker. Ah, ça marche pas. Est-ce qu'on peut faire comme les scènes, tu sais, dans les films où ils sont sur les wagons et les wagonnets. Oui, ils se battent. Ah, j'avoue. Comme dans les westerns. Qu'est-ce qu'il balaye ? Il y a un quai où il y a un train qui va démarrer dans 2 secondes et qui va tous. Oh, il y a une quête. Ah, il y a un chat. Il y a. Oh, c'est Neville Landiba. Mais là, ah, en mais oui. BG. Ah bah... Tu vas devenir un gros BG, mec. J'avoue, continue. Putain. Fais la salle. Neville Longbottom. Bonjour, je m'appelle Neville Landiba. Est-ce que. Oh non, il a perdu sa grenouille, Trevor. Allez, je vais t'aider pour 100$. Mec, d'accord, mais merci non, beaucoup. Faut qu'il le fasse lui-même. Il peut pas se victimiser toute la vie, justement. Mec, je vais gagner 100$ en retrouvant une vieille grenouille à la con, alors je vais le faire, ok? Bonjour, est-ce que tu as vu Trevor, par exemple? Bonjour, avez-vous vu Trevor? Bonjour, toi. Est-ce que tu as vu Trevor? Bah ouais, Je n'ai rien vu. Ah, oh, mais dans, il a rien comment vu. Comment s'appelle? Il s'appelle pas comme ça, non, GTA 5? Trevor? Ah si, c'est le taré. Bah voilà. 5, ouais. Oh, il y a... Ah, oh, ils sont là! Crab et Goyle et machin, il y a tout le monde. Ah. Et surtout, il y a... Putain, je retiens pas les noms. Malfoy. 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 Drago Malfoy. Bonjour, je cherche un Todd. Oh, il a une cravate Nintendo. Oh, j'ai vu Trevor pas loin de l'autre côté du train. Peut-être que c'est le même. Ouais, il a pas vu Trevor, il a dit qu'il avait vu une grenouille, mais... Oh là là, un sniffer. Il m'a donné un tas d'argent. Et où? Là, ici. Mais il m'a donné tout l'argent, donc trop tard. Il m'a donné 50. Sympa, putain. J'avoue. Ah, les nifleurs, là, ça file de la... Les nifleurs, ils ralassent. Hein, Ils rincent, les gars. Putain, les gars, ils rigolent. Hein. T'en vois un, direct. Alors, il paraît qu'il y a un Todd quelque part. Bonjour, est-ce que vous avez vu une grenouille? Non. Vous avez pas vu la grenouille? Vous avez pas vu la grenouille de Neville Longbottom? Harry Potter. J'avoue, il ressemble un peu, mais c'est pas lui. Bonjour, vous connaissez Neville? Il a perdu sa grenouille Trevor. Bonjour, est-ce que tu connais... J'avoue. Ah, mais la grenouille, elle est sur le train. La grenouille, elle est sur le train, faut monter sur le train. Comment on fait? Je sais pas, mais on va réussir à trouver. Glitch. Glitch the game. Putain. Vas-y, let's go. Paf. Oh, c'est l'heure du parcours, mec. Parcours. Oh, c'est où, t'es où? Ah, ah oui, je te vois. Je suis tombé. Ah non, c'est une chouette. Tu m'as confondu avec une chouette? Bah ouais. Parce qu'en fait, je te trouve... Non, je vais pas le faire. Je te trouve chouette. Ouais, c'est ça. Oh là là, je vais y arriver. Oh, si j'y arrive pas, je suis une grosse merde. Je suis tombé. Je suis en haut du train. Ah, j'ai fait tomber. T'as réussi à remonter? Comment t'as fait? Bah ouais. Au niveau de la locomotive, t'as un petit truc à faire. Vas-y, attends, là, je suis là. J'ai... Salut le crapaud. Mais non, press mais... F to collect. Oh, mais non. Oh, bah, du coup, t'as réussi. Bim, je me pète les genoux sur le quai. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, t'es où, Victor? Attends, mais où c'est que t'as réussi à trouver? Comment t'as réussi à trouver? Tu vas par là. Tu montes ici. Et là, si tu t'en sors bien, tu arrives à sauter. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Tu sautes de l'autre côté. Ah, voilà. Ouais, en effet. Putain, et moi, je me suis fait chier à faire du parcours et tout. Et je l'ai chopé, hein, donc à mon okay, avis, tu la verras pas. Elle était à peu près là où ouais, non, je l'ai vu. Hein, j'étais juste à côté d'elle. C'est juste que je suis tombé, voilà. Je suis tombé devant elle, en fait. Bah, à la limite, je te laisse rendre la quête. De toute façon, ça, par contre, c'est en commun, j'ai l'impression. Ouais, là c'était en commun parce que c'est marqué, il faut que je lui retourne. Donc, vas-y. Tiens, Neville, ne t'inquiète pas. Allez hop, 100 balles, merci. Et bim. Et bien écoute, je te propose d'aller. Speak to the train conductor. Et ben on va parler au train conductor, j'ai envie de te dire. De toute façon, on a vu tout le monde. Tu vas voir en mode, hey, mec, il serait temps d'y aller là. Bonjour. On va bientôt partir. Trouve ton compartiment et tout se passera bien. D'accord, je vais faire ça. Quelle belle moustache. Il faut trouver notre compartiment. Alors, on va où? On va à l'avant. T'as pour l'élite. T'as vu Drago Malfoy? Ouais, je l'ai vu. Ah, oh, je suis dans le train. Salut. T'es allé où? Je suis monté. Ah oui, t'es là. D'accord, on va dans celui-là. Allez, on va ici. Bah, je sais pas. Ah bah, tu sais, il faut choisir son compartiment. Hein.
Ah, là, viens mec, on est bien là. Allez, let's go. Hop. Viens frère. Bah. Ah merde, pourquoi ça marche pas? Il m'a pas détecté. J'ai mal. Team Monster, à la tienne. Oh là là, il y a trop de bure. Mais c'est pas bien, faut pas continuer comme ça. Attends, vraiment, j'en vois parce que je suis addict, mais je calme mon addiction. En fait, on peut pas être dans le même. Quoi? Ouais. Oh mais, il y a Harry, Ron et Hermione ici. Attends, mais moi je vais avec Harry, Ron et Hermione. Let's go. Mais non, ils puent la merde. Non, mais en vrai, ouais, ils sont dégueulasses. Ah, cassez-vous. On dirait qu'ils ont des pantalons en cuir et ils vont en rave party là, je sais pas quoi. Bon, par contre, ça me saoule. Non, mais à mon avis, on doit aller à un endroit précis. Faut aller à un endroit où il y a pas... juste avant. Bah, en fait, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a partout, putain. Il y avait mais vas-y. Mais là, pourquoi on peut pas venir là? Mais ça marche pas en fait. Tu vois, c'est marqué genre wait for everyone ready et. Bah vas-y, je vais dans un. Vas-y, va dans celui-là, moi je vais dans l'autre, moi. Je vais aller dans l'autre qui est vide là, qu'on était tout à l'heure. Ah attends, non, pardon. Je crois que c'est ma faute parce que moi je viens de voir en fait en bas, j'ai encore speak to the train conductor donc je dois à mon avis lui parler. T'es où? Je suis dans mon compartiment. Je t'attends. Mais en fait, on peut, je pense à mon avis, aller ensemble en fait. Bah ouais. Tu bah penses? Ouais. Bah Le train avance. Non, je déconne. Voilà, tu vois, on est ensemble. Et... Chouchou. Drago mal codé. Oh, non, le bon. Il est mal codé, c'est mal fait. En fait. Oui. Mais enfin, non. En vrai, il est pas mal fait. Je trouve que tout est trop bien fait dans cette map, mais. C'est juste qu'il a la tête plate, quoi. Oui, mais même. Comment tu l'aurais fait, toi? Aïe. Pourquoi j'ai eu des dégâts là? J'ai pas compris. Arrive là. Il me reste 199 PV. En même temps, t'as la tête dans le mur, toi. Donc, toi, je comprends. Et alors, t'as un problème? T'as jamais eu la tête dans le mur, toi? Allez, on va parler à Jagrid. Oh, les barques! Oh, ouais, ouais. Oh, mais regarde! Non, mais mec, regarde derrière toi. Le soleil. Mais c'est trop beau. Ouais, bon, après, c'est genre... le soleil, tu vois. Oui, non, mais regarde l'effet. Enfin, je veux dire, la skybox, là, le truc est trop beau. Alors que, genre, je rappelle, il y a pas de mode, hein, il y a pas de. Ouais, c'est ça, c'est. Y a pas c'est de truc avec du ray tracing ou je sais pas quoi. C'est littéralement. Genre, juste un pack de textures et. Là, tu peux encore mieux voir. De l'autre côté, il y a la lune. Ah ouais, viens, mec. Tu vas te régaler, là. Oh là là. Oh, et puis, Miyamakasi. Attention, wouh. ça donne envie de se tenir la main au soleil couchant, tu vois. Et de l'autre côté, il y a la lune toute pixelisée. Mais pas la mienne. Il y a la main toute, il y a la lune toute pixelisée de l'autre côté, tu sais. Alors, on va parler à Jagrid, c'est parti. Beau bordel. Bah, j'avoue. Il est là-bas, Jagrid, apparemment. Jagrid. Allez, on va prendre les barques. Tu es un emmerdeur, Harry. Attends, parce que j'ai vu un truc qu'on peut visiter. Ah ouais, le coffre là, avec un string dedans et un parchemin et un mug. Ah, toi aussi t'as eu un string. J'ai eu un string. J'en ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup de string. Oh, c'est quoi ça? Alomora. Ah, c'est une porte à Alomora. Dommage. Ouais. Qu'est-ce que j'ai hâte de Alomorer tout ce que je vois. C'est vrai qu'on dirait un gamin qui a mis une fausse moustache en fait. Ah putain, mais Jagrid, il est de l'autre côté, le con, putain. Ah, le bâtard. Il est sorti du bivouac. Ah bah oui, forcément, il est là. Il est un streamer, Harry, effectivement. Oh là là, le clochard. Alors, est-ce c'est que... bon, j'ai trouvé un café Starbucks dans les poubelles. Il restait 200 ml. Oh, j'ai eu des dragées de Bertie Crochu. Ah, carrément. Ouais, bah moi aussi j'en veux là. Ouais, j'avoue, je te pique absolument tout, c'est comme un gros salaud. Mais vas-y, je vais t'en laisser un peu. De toute façon, t'as les épisodes et tout. Vas-y, je m'en fous, je trace là, je suis dans la forêt, mec. Attends, bah attends, faut parler à Jagrid d'abord. Non, ouais. On s'en fout. Tout va bien, tu te souviens de moi? Oui. Allez, viens, suis-moi. J'ai pas autant bu que toi. C'est ta première année. C'est ta première fois? C'est ta première fois, c'est un peu ça, genre. Première fois, tout va bien se passer. Allez, première année, on me suit. Est-ce que t'as eu des goumoules? J'ai eu un goumoule, c'est ça qui est incroyable. Les premières années, suivez-moi. On rend un par un, et enfin deux par deux, et lassez vos chaussures. Et on va aller au bateau. Non, je déconne, il a pas dit ça. Attends, mais par contre, il nous dit genre suis juste. Ah non, il faut que tu lui parles aussi et que tu confirmes que tu veux aller au bateau avec alors, lui. Press F. Press F pour aller au bateau. Alright there, I remember you from Diego Ali. Ouais, très bien. T'es gonna lie. Bah non, il me dit rien de plus en fait. Mais speak si. To Hagrid, mais je viens de lui parler. Bah non, faut continuer à parler, hein. Faut appuyer sur F. Ah, F, ok, F, voilà, F. c'est bon. Ah ouais, parce que toi, oh là là. Le mec appuie ça, directement contre, sur Shift. C'est dommage qu'on puisse pas mettre en commun en fait. Right then, first years. First, le good one. Ah, mais maintenant il se déplace, il faut le suivre. Oh, mais incroyable, il se déplace. Les PNJ se déplacent et on peut les suivre. C'est fou.
En rang 1 par 2. C'est ça. Rang 1 par 2, et là, c'est beau. Désolé, Harry, j'ai bu un peu trop de bière au beurre et je titube un peu. Oh, la chouette. Ah, c'est incroyable, n'est-ce pas? La vue, hein. Ça me rappelle ma première fois. D'accord. Oh, quand j'ai été choisi pour aller à Gryffondor. Non, vas-y, prends-le. Ah, j'ai Chocolate Frog x5. Ah, yes. De toute façon, la maison on des draps. Un peu en commun et tout, on peut faire des échanges. Je suppose que McGregor va vous dire plus à propos de toute cette vous merde. Vous n'allez pas avoir de potes, vous n'auriez pas de problème. Là, j'ai pas entendu ce que t'as dit, c'est pas grave. Qui, moi? Non, ce qu'a dit Hagrid, là. Better than mine, mieux que moi. Okay. Animate of me. Pourquoi je fais cette voix? Je sais pas. Mais en vrai, ouais, il a cette voix, c'est Sylvain Lemarié qui fait la voix. Well, best not getting into that. And don't bother. Oh, oh, tu parles trop vite, mec. Oh, du fausse doué. Il va aller dans mon coffre, je l'ai pris. Mais en vrai, peut-être que dans la forêt, il y a plein de trucs. Hein. Attends, on est bah, dans ouais, mais... le chemin bah, bêtement, mais... Mais en vrai, il y a plein de petits coffres. Là, il y a encore un petit coffre, prends-le. Viens. Non, attends, vas-y, prends-le. Moi, je me faufile dans les prés, là. Cup of salt. Ah, il y a du sel. Oh non, ah. Mais là, il y a un big coffre, là. Viens le prendre. Viens. Non, vas-y, t'inquiète. Viens. Je me promène dans la forêt, là. Je suis loin. De l'argent. Je vais pas dire non à de l'argent, quand même. Je vais pas laisser ça là. Je vais pas laisser l'argent, ça pour... C'est parfait. Quand t'es à mon niveau d'argent, t'en as plus besoin, en fait. Genre, dis-je d'un air dédaigneux. T'es à non, 300, là. Est-ce qu'on fait des limites à la map des... Oh. Je pense qu'il y a des limites, ouais. Ouais, bref, bien, chacun. Ah, ok, je suis revenu à la gare. En fait, ils m'ont téléporté à la gare. Oh non. Baguette, je te rejoins. Vas-y, rejoins-moi. Je Allez. T'attends pour rentrer dans le bateau. De poulain. Ça tourne mal, l'explication. J'avoue, puis ça. En fait, tout le monde est déjà dans son bateau. Alors, faut savoir qu'il y a que 4 bateaux pour aller à Poudlard. Hein. Il y a un bateau pour Ron, Harry et Hermione, un bateau pour Longbottom et sa copine, et un autre pour Malfoy. Et c'est tout. Voilà. Attends, je sais même plus où je dois aller. Hogwarts. Attends. Hogwarts. Putain, à chaque fois je dis Hogwarts. Hogsmeade. Ok, vas-y. Attends, tu m'as fait un petit mouvement de sourcil là. C'était. Mais attends, je sais plus où est le chemin. Oh, allez! Putain, mais non! Reviens! Où tu te caches encore? Ta gueule! Mais comment ça se fait que tu t'es perdu en fait? En fait, ça m'a re-TP. Ok, oui, ça m'a re-TP une nouvelle fois. Non, mais tu vois où est le chemin, non? Non, mais là maintenant je vois. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, je vous dis. C'est bon, je te vois. Ah, purée. Oui, c'est bon. Ah là là, allez, viens dans le bataille. On va se faire une petite balade en amoureux. Bientôt Harry Potter à l'école des parapégistes. C'est terrible. Y'a pas. Je voulais piloter. Musique. Ah si, il y a de la musique. Je voulais piloter le. Ah, c'est beau, quoi. Le bateau. Esquive les tentacules. Explore la tourelle et les tourettes. Et où ne les sois perdu dans la forêt interdite. Découvre des mystères du château et de ses sous-sols. Bah ouais. Alors moi, c'est vu que ça n'a pas chargé, j'ai 3 pixels. Ouais, moi aussi. C'est sympa. Moi aussi, clairement. Waouh, on est à Hogwarts. Oh, de l'eau. Ah, mon dieu. Et c'est ainsi que se terminent les aventures de Fron et Harry.